résumé. L'archevêque de la ville de Conakry, Monsieur l'imam Khatib de la grande mosquée Faisal, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, distingués hauts cadres de l'administration publique, respectables invités, chers anonymes. Excellences, Monsieur le Président de la Transition,
Le programme qui nous réunit ici va se dérouler comme suit. Nous allons premièrement, dans un court instant, assister à l'arrivée de la dépouille mortelle de l'ex-première dame. Vous aurez quelques témoignages, notamment ceux de la mère des bébés siamois. Secrétaire général Khrira, la Hanyu Rosa de la Guinée dit les feux au Mato. Et là, je crame au Koudiawara. Angaya Kharamboube, Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Rajo. Mouvrina Alanambe, Goman Bing Bilema Alanamba. Voilà, Foure a fait Fanny Fala et la Hanaba. Amun ranna ba wala lunadi o sabali kuna afanyi ranna ba wala fala haje jene ka ba konde president de la republique président a choisi tout ala la guinée dine ranyere ala je kat mo jawara anga fala wo be colonel mamadi dungu ya khira la guinée bin na waxto la guinée bin na sunu bi haye jene ka ba kafira Mukira, nyafu anukere, haya yana kaba nana, lagine gine kuntigira, tana mfiti lagine mangekine. Mrimu noma, igeri de, mrimu fanya mungu na ima. Mrimu kono kuni hadiye. Kuna haya yana kaba makone ni ya mrimu nita lagine, kula gala. Haya mani ya mrimu, ala diyama. Haya yana kaba, Adina bin la famille la Guinée. Religion céleste du monde rempirina a bin servine. A chrétien ya servi, a musulmi ya servi. La Guinée finir ma pratique pour moi. Haya de la Kaba. A yon sale miskine et rôle la Guinée. Du même mouré, il fera aller dans l'âme. A la Guinée, elle va aller dans la rabbi Marie-Ala. Président de la République là tout colonel Mamadi Doumbouya ala rebata ngoube ala fiyabu ala soura ala dayagi ala fimatte ala remogo o fefe won la guinée be afangi la marigi ala na la baye kiga o sesse la guinée be ya rabbi dam le boy ma fi ga marigi ala na mabbi wonna Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l'État, Chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs, les membres de la famille et alliés de Madame Condé Adjadjene Kaba. Mesdames et Messieurs, les membres du CNRD, Monsieur le Ministre, Secrétaire Général à la Présidence de la République, Monsieur le Ministre, Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Messieurs les Présidents des Institutions de la Transition, Messieurs les Ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Excellence Monseigneur l'archevêque de Conakry, Son Éminence le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les anciens ministres ici présents,
mesdames les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif interguinéen, messieurs les maires des communes de Conakry, mesdames et messieurs distingués invités, au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, j'exprime ici notre douleur profonde, l'émotion de la nation face à la dépouille de notre mère, notre sœur, notre tante estimée, Adja Djené Kaba Kondé, ancienne première dame de la République de Guinée. Cette distinction est la preuve éloquente de toute la reconnaissance que le chef de l'État a pour l'illustre disparu. C'est la reconnaissance de toute la nation guinéenne. Au-delà de ces mots qui traduisent notre faiblesse humaine, c'est vers notre Créateur tout-puissant et miséricordieux que le président de la transition, après tant d'efforts, nous exhorte à implorer sa grâce pour accueillir l'âme pure de notre mère dans son royaume céleste. Dans la posture des soumis, nos bras tendus vers le très haut, nous exprimons notre communion par cette prière. Ô Seigneur, nous implorons ton pardon, car c'est vers toi que sera le retour de toute âme. L'ancienne première dame, Adja Djené Kaba Kondé, continuera à vivre dans notre esprit. Nous retenons de cette haute personnalité sa contribution immense à la cohésion des Guinéens, à la promotion de la femme et à la protection de l'enfance. Les enfants de Guinée pleurent sa perte. L'exemple le plus éloquent est l'histoire de Boubacar et Hassan, deux bébés siamois, aujourd'hui séparés, et qui seront difficiles à consoler toute leur vie. Il a fallu une sensibilité humaine très forte de notre mère, sœur et tante pour favoriser la prise en charge de cette situation délicate. Son action humanitaire à travers la distribution des kits d'hygiène aux femmes, la construction de centres de santé, la mise en place de programmes d'autonomisation, la scolarisation de la jeune fille et la prise en charge des victimes d'infertilité sont un héritage précieux pour notre système éducatif, notre système médico-social en général et la santé maternelle et infantile en particulier. Nous nous souviendrons également de l'implication de cette grande figure dont la voix porteuse de mots apaisants et conciliateurs savait toucher le cœur des Guinéens dans des périodes de convulsions sociales et politiques pour privilégier nos valeurs ancestrales que sont l'écoute, le dialogue, la concorde et l'intérêt premier du pays pour le bien-être de tous. Pour le chef de l'État, le CNRD, le gouvernement et le peuple de Guinée, elle demeurera à jamais un modèle d'engagement envers la société et les démunis. Un exemple d'humilité et d'attention envers les couches vulnérables partout dans le pays. Aux enfants ici présents, aux maris éplorés, à la mère et à tous les proches, Adja Djené nous redonne la force pour supporter le choc de la séparation par des actes magnanimes posés. C'est pourquoi, en cette douloureuse occasion où la nation se retrouve en communion pour rendre un dernier hommage à notre ancienne première dame, son engagement pour la paix, la concorde et le bien-être de ses semblables doit être pour nous son dernier message,
et un encouragement à renoncer aux polémiques stériles et se mettre ensemble pour renforcer notre vivre ensemble. Tel est le message du président de la transition a souhaité partager lors de cette cérémonie d'hommage national à la mémoire de notre illustre disparue, Madame Condé Aga Djené Kaba, ancienne première dame de la République de Guinée. Que Dieu accueille dans son paradis l'âme de notre regretté Aga Djené Kaba Condé. Amen. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de la transition, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire, aux leaders religieux, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, tout protocole strictement respecté. Au nom de la grande famille Kaba de Madina Kankan, et particulièrement celle de Ouédéou, et à mon nom personnel, nous commençons par prier le Tout-Puissant Allah que vos bénédictions et prières accompagnent Aga Djené Kaba jusqu'auprès de notre Créateur. Nous sommes éplorés, nous sommes chagrinés, mais nous devons essuyer nos larmes sous la grâce divine par le témoignage de l'amitié et de la fraternité que vous avez démontré depuis le rappel à Dieu de Madame Condé Aga Djené Kaba. Notre regretté Aga Djené est née vers 1960 à Kankan, fille de Elage Sekou Tata Kaba, et de Hadja Sran Kaba, fille disciplinée, rigoureuse et respectueuse de ses parents. Aga Djené a toujours été à notre écoute. De ses premiers pas à Kankan jusqu'à son dernier souffle, elle a été notre fierté et je dirais notre ambassadrice en tout temps et en toutes circonstances. Le peuple de Guinée le témoignera mieux que nous que sa fidélité et sa loyauté n'ont jamais fait défaut. Elle a toujours su se surpasser pour l'intérêt collectif, altruiste et respectueuse de la parole donnée. Elle nous a fait montre de respect, de persévérance et de loyauté quand elle savait la cause juste. Elle nous aimait tous et elle aimait notre cher pays, la Guinée. Perdre un être d'une telle qualité est une dure épreuve que seules les prières peuvent aider à surpasser. À son époux, le professeur Alpha Condé, et à ses enfants, nous vous adressons nos sincères condoléances et prions pour le repos éternel de l'âme de Aga Djené. Puisse Allah soulager votre immense peine et vous réconforter par la reconnaissance de nous humains, des belles œuvres qu'elle a inlassablement posées durant toute sa vie. À Monsieur le Président du CNRD, Président de la République, Chef de l'État, Colonel Mamadi Doumbouya, et à tous les membres de son gouvernement, nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait en faveur de Aga Djené. Depuis avant le 5 septembre, ça a commencé depuis avant le 5 septembre, jusque maintenant, venant par Paris, dans sa maladie, jusqu'au rapatriement du corps à Conakry, ainsi que les dispositions prises pour l'enterrement prévu demain à Kankan. La terre de Kankan, qu'il a vue naître, l'accueillera avec nos bénédictions. Au nom de toute la famille Kaba, nous vous disons merci. Qu'Allah vous guide et vous éclaire au profit de tout le peuple de Guinée. Madame Condé Aga Djené Kaba, va en paix. Tu as rempli convenablement et à notre entière satisfaction la mission sur cette terre. Qu'Allah te pardonne tes péchés, qu'il t'accueille dans son illustre paradis et qu'il protège les êtres chers que nous a laissés. Amen. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD,
Mesdames et messieurs les membres du cabinet présidentiel, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du CNT, mesdames et messieurs les présidents et présidentes des institutions de la République, très chers, respectés leaders religieux, Madame la gouverneure de Conakry, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, tout protocole scrupuleusement respecté. Encore Guénin, nous te pleurons. Nous pleurons ton départ auprès d'Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Oui, la mort est cruelle et impitoyable parce qu'elle nous sépare brusquement des personnes qui nous sont chères, famille, amis, collaborateurs. Aujourd'hui, elle t'a arraché à nos affections. Tu es parti à jamais, créant ainsi ce si grand vide que nous ne pourrons jamais combler. Oui, nous te pleurons encore et encore. Oui, tu es parti après que tu aies accompli dignement, humainement, humblement et loyalement la mission que le Tout-Puissant Allah t'avait confiée sur cette terre au profit du peuple de Guinée en général et des couches les plus vulnérables en particulier, que sont les femmes et les enfants. Cette mission humanitaire et de bienfaisance, tu l'as accomplie avec abnégation et par amour en tant que première dame, mais aussi en tant que présidente fondatrice de la Fondation pour la protection sociale maternelle et infantile, en abrégé PROSMI. Dès la création de ta fondation le 12 février 2011, tu as embrassé plusieurs domaines d'intervention. Au niveau de la santé, sous ton leadership, nous avons intégré l'OPDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le SIDA, et Synergie africaine pour une lutte plus coordonnée et plus efficace contre la maladie. Tu as choisi le domaine de la PTME, prévention de la transmission de la mère à l'enfant. À ce niveau, tu n'as eu de cesse, non seulement dans la sensibilisation, les dépistages volontaires et la célébration du 1er décembre de chaque année, mais aussi dans la distribution des protections et des kits de dépistage duo, sida et tuberculose. Grâce au partenariat que tu as pu nouer avec les partenaires étrangers, comme la chaîne de l'espoir, la Fondation a procédé à l'évacuation sanitaire de plusieurs dizaines d'enfants issus des foyers démunis, souffrant de pathologies diverses, telles que des opérations cardiaques, de la sténose, de l'hypertrophie mammaire, mais dont la plus emblématique reste la séparation des bébés siamois Hassan et Boubacar Bari à l'hôpital Necker de Paris pour enfants. Grâce à Dieu, ces désormais jumeaux sont aujourd'hui présents parmi nous avec leur famille en signe de reconnaissance. Cette collaboration a conduit à la dotation du service de cardiologie de l'hôpital national Iyansdin d'un appareil d'écho Doppler. Tu as initié et suivi la construction et l'équipement de 5 centres de santé, dont un amélioré,
dans les préfectures de Guéguédou, Siguiri, Kankan, Kouroussa et dans la commune de Matoto à Anta. Tu as assuré la prise en charge médicale de nombreux enfants et femmes dans nos structures sanitaires. Tu as cherché, obtenu et octroyé des bourses de formation à des médecins à la procréation assistée en Inde avec l'appui de la Fondation Merck. Tu as négocié et obtenu l'envoi en Guinée de plusieurs expéditions médicales dont l'une des plus importantes était Barakaire en provenance d'Espagne qui opérait la cataracte au laser entre 50 et 100 personnes par jour sur une semaine, une fois par an. Et que dire des appareils auditifs distribués à des centaines de malentendants au jardin du 2 octobre et à l'école des Surmiens à travers notre partenaire Starkey Hearing Foundation. N'étais-tu pas également la marraine des expéditions Mercy Ship? Ton implication auprès de l'UNICEF t'a valu le titre d'ambassadrice pour la nutrition. Ne t'appelle-t-on pas également championne de la vaccination? Tu as lutté contre la vente illicite des médicaments en organisant le projet BOOM, Pont l'usage du médicament. Dans le domaine de l'éducation, tu as donné des bourses d'études aux enfants défavorisés pour l'extérieur. Tu as procédé à la distribution des kits scolaires aux élèves issus de foyers démunis. Tu as mis en œuvre le projet Educasso, éducation complète à la sexualité en milieu scolaire, dans les 5 communes de la capitale et dans 18 préfectures du pays. Tes nombreux plaidoyers auprès des partenaires bi et multinationaux ont permis d'augmenter le nombre de cantines scolaires dans les milieux ruraux. Dans le domaine de l'autonomisation des femmes, tu as permis la distribution des chèques à certaines femmes affectées par l'infertilité pour leur propre prise en charge financière. Beaucoup de groupements de femmes ont bénéficié de formations et ont été outillés. Dans le domaine de la consolidation de la paix, nous avons tous été témoins de l'organisation des journées femmes et paix, des cérémonies de lecture du Saint-Coran. Pour démontrer que tu es une femme de paix, nous avons encore tous en mémoire les images de ce fameux 8 mars, fête des femmes, quand tu as eu l'initiative d'inviter Hadja Alimatou Dalein Diallo et qui a accepté les deux dansant et célébrant main dans la main la femme de Guinée. Dans le domaine des VBG, violences basées sur le genre, tu t'es investi contre les MGF, mutilations génitales féminines, les violences conjugales et les mariages forcés. Humanitaire, tu l'étais, à travers la distribution des denrées alimentaires à chaque mois de Ramadan, mais également l'organisation de l'arbre de Noël tous les ans au mois de décembre. Te souviens-tu de ton slogan « J'aime ma ville, je la rends propre » Plus qu'un slogan, tu t'es habillée en balayeuse et tu as donné un coup de pouce pour la propriété de notre capitale. Encore une fois, pour tous ces nombreux actes posés, nous te disons merci, merci et merci. Mais en aucun cas, nous n'avons jamais imaginé que cette période sombre, triste et douloureuse allait nous attraper aussitôt. En tant que croyants, nous disons que tout ce que Dieu fait est bon. Au nom de tous tes collaborateurs de la Fondation et de ton cabinet, je prie le Tout-Puissant de t'accueillir dans son paradis éternel. Dors, dors du sommeil éternel tant mérité. Je n'oublierai jamais ma dernière conversation avec toi, 6 heures avant que tu ne rendes l'âme. Tu as eu la force de prier pour moi, de me demander pardon et de finir en me disant « Igeïté, Ambeïgeïté ». À mon tour de te répondre, je te pardonne, ma sœur. Pardonne-moi, Igeïté,
Amber Gayeté. Mes salutations les plus sincères, respectueuses et agréables à M. le Président de la République de Guinée et à son ministre et au gouvernement de la Guinée. Je suis la maman des bébés siamois qui ont été transférés à France pour la séparation par Madame la Première Dame Hadja Genet Kondé Kaba. Je suis là aujourd'hui pour témoigner ce qu'elle a fait pour moi et mes enfants. Je suis là aujourd'hui au nom de ma famille éplorée pour demander mes sincères condoléances à la famille et au gouvernement de la République de Guinée et à Monsieur le Président de la République. Elle m'a aidée lorsque j'en avais besoin. Elle a tout fait pour moi, moi et ma famille. Elle m'a aidée à séparer mes enfants qui sont là. Si vous voyez aujourd'hui, je suis avec mes enfants. C'est grâce à Hadja Genet Kondé Kaba. Je prie le Tout-Puissant qu'elle l'accueille dans son paradis éternel et que le pardon de tous ses péchés de la vie. Merci et merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour le déplacement, au chef de l'État pour la reconnaissance. Je vous prie de vous lever pour les hommages, les derniers, les honneurs à la députée mortelle de l'ancienne première dame, Hadja Genet Kaba Kondé. Merci. C'est donc la fin de cette cérémonie funèbre. Le chef de l'État et sa délégation se retirent. Merci au peuple de Guinée, merci aux différents, pour ceux qui ont effectué le déplacement. Merci. Thank you.
Vous laissez là-bas. Regarde, c'est le deuxième rôle. Voilà, maintenant,